Bonjour. Bien, nous sommes en début d'automne, raison pour laquelle j'ai choisi ce décor. J'espère que la vidéo va être correcte. Ce n'est pas au niveau de la luminosité que je m'inquiète, mais plutôt que le vent est aujourd'hui orienté vers la maison et la route a beau être loin, bien, je pense qu'on risque d'entendre certains sons qui, j'espère, ne viendront pas masquer le son de ma voix. Voilà, mais j'organise cette vidéo dans le cadre de la conférence de Coop Alentour qui vient d'avoir lieu ici à Sherbrooke cette semaine, pendant laquelle j'ai proposé aux personnes qui sont venues suivre cette conférence de participer à un tirage gratuit. Alors peut-être avant de faire ce tirage, vous parler un peu de l'automne qui est en train de commencer. Automne, période vraiment de grand équilibre en raison de la durée de ces journées et de ces nuits. Le jour et la lumière étant la période de l'activité, la nuit et l'obscurité du repos. Et elle rentre ici en automne en bel équilibre, ce qui doit nous aider, nous, à aussi en avoir une meilleure. Donc voilà pour ce que j'ai envie de vous dire et de vous partager par rapport à l'automne. Je vais maintenant procéder au tirage. Alors, j'espère pouvoir faire une personne bien heureuse. Hello. La gagnante, c'est une dame, il s'agit d'Annie Corriveau. Voilà Annie, j'espère que la vidéo va permettre de lire votre nom. Très chère Annie, vous êtes la gagnante du chèque de 20$ que je proposais dans ce tirage, que vous pourrez utiliser pour un soin ici, chez Amour de Soi et Bien-être. Vous pourrez choisir de l'appliquer autant sur un massage ayurvédique que sur un soin énergétique ou encore sur une consultation qui va pouvoir vous donner des conseils concernant la nutrition liée à votre dosha, sujet de la conférence que vous êtes venu suivre. Voilà, bien, merci encore à tous d'être venus à cette conférence, d'avoir montré votre intérêt sur l'Ayurveda. Et puis, j'espère de tout cœur que vous continuerez à veiller sur vous, à vous informer, afin de trouver le meilleur bien-être et de continuer à faire tout cela en amour pour vous-même. Namasté.